C'est pas possible. Bonjour Lorma, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mais moi je suis en vacances, hein, comme je vous l'ai dit, et j'ai beaucoup de temps. Yeah. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je viens faire une petite conversation toute anodine, une conversation autour de deux thèmes assez impressionnants et assez intéressants. Nous assistons à quelque chose d'assez intéressant depuis quelque temps. Donc avant que je ne commence, je vais vous demander de chercher à partager à une ou deux personnes ce qui est dit ici. Leur map, grande sœur. Ben, je suis désolé pour ceux que je dérange et qui sont en ce moment au travail. J'espère que cela pourra être vu plus tard. Shalom Muriel. Yalendo. Mami Djedje, que Dieu vous bénisse. D'accord, je vais commencer. Comme d'habitude, j'ai pas pris pour habitude d'attendre que les gens viennent. Je vais rapidement parler. Je viens ici et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque temps, j'étais sur un plateau ici sur la toile, sur Facebook, alors que je participais de façon active à un live qui avait été organisé par une personne qui s'appelle Monsieur Messan. Ce soir-là, j'avais participé pour parler avec une jeune dame qui racontait son histoire. Une histoire très touchante. Je crois que je vous ai raconté le contexte dans lequel tout cela s'est fait. Et étant touché par l'histoire de cette jeune dame, j'étais monté dans ce live pour participer, apporter mes encouragements à cette jeune fille et lui dire qu'il y avait de l'espoir, il y a de l'espoir et qu'il fallait qu'elle se mette au travail. Après mon passage dans cette émission, très tardive, c'était un samedi soir, et le lendemain, je me souviens, je devais prêcher à l'église. J'avais été assez lent à me déconnecter. Donc pendant que je dépose mon téléphone, alors que je viens de sortir du live, je me rends compte que les conversations ont changé, et que du coup, à la limite, j'étais devenu une sorte de le sujet de la conversation. Avec beaucoup de paroles très méprisantes et ça m'avait touché. J'avais trouvé ça injuste. J'avais été très blessé. Et au vu des paroles qui étaient lancées, étant donné que je fais très attention aux paroles et ce que je vais vous encourager à faire, d'où l'importance du nom. D'accord? Faites très attention au nom qu'on vous donne. Faites très attention à ce par quoi vous vous identifiez. Faites très attention à quel groupe vous appartenez. Parce que très rapidement, vous allez dire, je suis un tel, sans savoir ce que ça veut dire. On cherchait toujours à savoir la signification. Des paroles avaient été lancées sur moi ce soir-là qui étaient assez bizarres. Et moi, je ne tolère pas. Toute personne qui travaille comme policier, toute personne qui travaille dans l'armée, toute personne qui travaille à l'hôpital, c'est-à-dire il y a des attitudes que tu développes à travailler dans un certain milieu. Un policier va développer la tendance à ne pas rapidement croire, à toujours chercher à comprendre, à toujours chercher à voir si ce que tu dis est vrai, parce que c'est son travail comme ça. Une infirmière va toujours voir le danger partout et va dire faites attention à la petite cuillère. Il y a un enfant qui est venu dans mon service hier avec une petite cuillère dans la gorge. Ceci, les infirmiers ont tendance, tu peux savoir à la réaction d'une personne, son corps de métier.
Et moi, je fais très attention aux paroles parce que c'est la seule arme que Dieu a donnée à ses serviteurs, la seule arme. Et la parole est puissante au nom de Jésus-Christ. Donc, quand une parole m'est lancée, rapidement, comme mon travail est d'étudier la parole et la parole de Dieu, j'ai tendance à rapidement comprendre ce que les hommes disent et comprendre l'implication de ce que ces derniers disent. Donc, du coup, si cette parole est lancée et qu'elle n'est pas bonne et qu'elle en envoyé dans ma direction, je la renvoie rapidement au nom de Jésus-Christ. Vous savez, malédiction et bénédiction sont deux mots. Malédiction, c'est deux mots différents. Maldiction, mauvaise diction, mauvaise diction. Bénédiction, c'est bonne diction. Quand on te lance une malédiction, ça peut être une insulte. Et on ne se rend pas compte souvent de l'impact d'une insulte. Une insulte, c'est une malédiction. C'est une mauvaise parole, c'est une mauvaise diction. Et si tu as la capacité de renvoyer, d'enlever ça de toi et de renvoyer ça, fais-le. J'étais monté ce soir-là. Et j'avais renvoyé ces malédictions sur ceux qui les avaient envoyées. Et beaucoup n'avaient pas compris. Mais ce n'est pas le but de mon propos ce soir. Je suis pas venu réexpliquer ce qui s'était passé. Je viens ici dire à la jeune dame et aux jeunes dames, aux dames qui étaient avec moi ce soir-là, sur ce live, que par la grâce de Dieu, moi, si j'avais été blessé ce soir-là, je leur pardonne. Elles m'ont jamais demandé pardon. Mais vous savez, quand vous voyez des choses bizarres et des histoires tournées au vinaigre, après une réaction, il ne faudrait pas qu'on connecte le malheur de quelqu'un au passage, à mon passage sur ce plateau. C'est vrai, moi, j'ai fait des commentaires autour. Mais je ne voudrais pas. J'envoie la grâce de Dieu sur ces femmes. J'envoie la paix du Christ sur ces femmes. Et que Dieu les guide, que Dieu les guide lui-même, que Dieu leur pardonne et les guide. Allez le leur dire, je ne vais pas citer leur nom ici, mais dites-leur que je demande que le Seigneur les guide, que le Seigneur essuie leurs larmes, que le Seigneur les restaure au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le dis du fond du cœur. Et que la sagesse de l'Éternel habite des gens. Vous savez, le pouvoir de la procuration. Pour ceux qui sont là, est tellement fort que si je dois acheter un terrain ou faire une action à distance et que je n'ai pas la capacité d'être là, je peux aller chez un notaire qui a le pouvoir de prendre ma signature et de donner la procuration de toutes mes actions à une personne. Partout où je dois signer, c'est cette personne qui va signer. Tout ce qui me revient va être donné à cette personne. C'est le pouvoir de la procuration. C'est le pouvoir de la procuration. Je voudrais que, quand on parle de moi, par la grâce de Dieu, que vous pensiez toujours à la procuration. Parce que nous sommes ce que nous sommes, par procuration. OK? Ce qui me fait venir rapidement parler de la procuration aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de gens crier, monter, descendre, sans savoir ce qui se passe en réalité. Je vois des gens pleurer, je vois des gens réagir, je vois des gens crier et ils ne savent vraiment pas ce qui se passe. Toutes les interventions qui sont faites sont... Personne ne comprend. Le problème de cette jeune dame qui est en train de pleurer alors que sa mère est en train d'être exposée, c'est un problème de procuration. C'est un problème de procuration. Je n'aime pas souvent parler et donner les noms des gens, mais je vous prie d'observer quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire. Pour que vous arrêtiez de vous acharner sur cette fille qui est en train d'être poussée à faire ce qu'elle fait.
Priez beaucoup pour ces blogueurs, frères et sœurs, que vous voyez sur la toile. Priez pour les blogueurs que vous voyez sur la toile. Pour ceux qui les aiment. Parce que si vous ne priez pas pour eux, et si ces blogueurs ne se repentent pas, demandant pardon à Dieu pour le mal qu'ils ont fait pendant toutes les années qu'ils ont fait du mal aux gens, vous allez encore être dans l'obligation de parler au passé d'une ou de deux personnes. Dans le blog camerounais, d'ici peu, dans le blog camerounais, d'ici peu, dans le blog camerounais, et je vois deux femmes. J'ai vu deux femmes. Je vais pas venir vous dire, voici ce qui va se passer parce que vous êtes dans ceci ou dans cela. Non. La solution pour sortir de ce qui est au-dessus des têtes de ces gens que j'ai vus, c'est de demander pardon à Dieu et de demander pardon aux gens qu'ils ont offensés. Sinon, d'ici très, très, très peu, on va encore parler au passé d'une ou de deux personnes au niveau du blog camerounais. Ce ne sont pas des artistes, c'est juste des blogueurs. Je l'ai vu de façon très spécifique et j'ai été choqué. Par conséquent, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Et je suis pasteur Samuel Christian Tonje, comme les gens disent que j'aime prononcer mon nom. Et je suis serviteur de Dieu. Il m'est arrivé par le passé de prophétiser ici. Et le Seigneur a montré exactement ce que j'avais prophétisé. Certains viennent de découvrir la personne que je suis. Je ne parle pas de moi, s'il vous plaît. Je veux juste que vous preniez au sérieux ce que je dis. Ok? Cette jeune fille qui s'attaque à sa mère aujourd'hui, il y a une jeune fille qui s'attaque à sa mère aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui la méprise à la limite. Cette personne le fait par procuration. Cette personne est en train d'être amenée à le faire. Elle ne l'avait pas prévu. Elle ne l'avait jamais pensé. Mais elle est en train d'être amenée à le faire. Ne tirez pas sur elle. Ne l'insultez pas. N'insultez pas sa mère. Ça n'a rien à voir. Observez et ouvrez vos oreilles. Et ouvrez vos yeux. Toute personne qui maudit ses parents, qui ne respecte pas ses parents, est appelée à mourir tôt. Excusez-moi de le dire ouvertement et cru comme ça. Toute personne qui maudit ses parents, toute personne qui manque de respect à ses parents est appelée à mourir tôt et à beaucoup souffrir dans la vie. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère, et tu vivras heureux et longtemps sur la terre. C'est le seul commandement avec une promesse. Il n'y en a pas un autre. Et honorer son père et sa mère, ça nous donne de vivre heureux et longtemps sur la terre. Donc le bonheur et la longévité ne viennent pas des parents. Le bonheur et la longévité viennent de l'honneur dû ou donné aux parents. Ça veut dire que tu peux honorer un parent qui te méprise. Tu peux honorer un parent qui s'en fout de toi. Tu peux honorer un parent qui ne te connaît même pas. Que cette parole s'accomplisse sur toi. Tu es béni. Tu es béni. Juste parce que tu as honoré. Parce que c'est une promesse que Dieu lui-même a faite. C'est pas ton parent qui t'a promis. C'est pas, non, c'est Dieu lui-même qui a promis. Toute personne qui s'occupe de son parent avec beaucoup d'honneur est béni. Mais pourquoi je vous parle de la procuration? Parce que cette personne est amenée à faire quelque chose qui, il y a 3, 4, 5 jours, n'était même pas dans son esprit. Ce qui peut amener une personne de ce genre
à rencontrer le vrai mur. Le vrai mur. Pourquoi on est en train d'amener cet enfant-là? Pourquoi on la met devant? Demandez-vous pourquoi on met l'enfant là devant. C'est le pouvoir de la procuration. C'est le pouvoir de la procuration. Ça donne la chair de poule. Ça fait peur. C'est horrible. Ça émane d'une méchanceté profonde qui n'est même pas humaine. Il faut être habité par les ténèbres profondes pour agir de la sorte, au point de diriger quelqu'un vers le mur, sans que la personne ne s'en rende compte. Il y a quelque temps, je vous raconte une histoire. Il y a une dame qui marchait. Ouvrez vos oreilles parce que je vais parler en parabole. Cette dame montait et descendait dans toutes les forêts et dans tous les déserts. Alors on a dit à cette dame, arrête de courir partout parce que ta maman a besoin de toi. Cette dame est arrivée et a trouvé sa maman affaiblie. Et très 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 malade. Mais c'était une guerrière. Il s'est avéré qu'elle fasse la guerre. Et qu'elle fasse la guerre alors que sa mère était là. Elle a fait la guerre, elle a sorti les épées. Elle a blessé et détruit les gens. Comme elle était une guerrière. Devant sa mère qui ne savait pas quoi faire. Les gens ont appelé cette guerrière et lui ont dit, ne fais pas la guerre devant ta maman. Ne le fais plus. C'est pas bon. La guerrière a fait comme si elle ne comprenait pas. Mais comme le poids de telles actions se paye, cash, il a fallu trouver un petit soldat ignorant. Un petit soldat qui traînait par là. On a pris tous les effets, tous les poids, tout le poids de ce que mépriser une maman veut dire et on a mis sur elle. La procuration fait en sorte qu'on ne me voit plus moi. Mais c'est toi qu'on va voir désormais. C'est pas moi qui méprise ma mère, c'est elle. Vas-y, méprise ta mère. Méprise ta mère en public et fais le bien. Afin qu'on oublie certaines actions qui ont été posées par le passé, par la guerrière. Sachant que mépriser un parent entraîne à une mort rapide, très rapide, dans les ténèbres et la douleur, on prend ça et on met sur quelqu'un d'autre rapidement. Pour que elle aille se casser la gueule pour moi. Chaque fois que vous évoquez le nom de cette petite fille, et je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, j'ai ce genre de sentiment envers cette fille, qui a été assez méprisante pourtant. Je ne sais pas pourquoi je l'aime autant, je ne sais pas pourquoi je l'aime autant, je ne sais pas. Ou bien je sens quelque chose pour elle. Chaque fois que vous exposez, que vous insultez cette petite fille, vous êtes en train de participer à un effort spirituel qui est bien dirigé par des gens qui savent ce qu'ils font pour faire du mal même aux gens dont ils disent qu'ils les aiment beaucoup. Et ainsi, tout le temps, enlever de soi une sorte de karma négatif pour le mettre sur les esprits faibles autour. Ça, c'est quelque chose qu'on voit. Mais ça s'est toujours fait ainsi. Beaucoup de gens se sont cassés la gueule pour d'autres. Beaucoup de gens se sont cassés la gueule
pour d'autres ici sur Internet. Faites attention au groupe auquel vous appartenez. Je ne le dis pas pour combattre quelqu'un, je ne sais même pas à qui je parle. Mais ce message marche au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Ghana, partout où vous pouvez imaginer. Parce que vous qui jugez cette petite fille maintenant, ou qui insultez sa pauvre mère, qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qui se surprend nue au carrefour. Vous ne savez pas que vous êtes des acteurs d'un truc. Laissez cette fille tranquille et priez pour elle. Bonjour, Shabada. Priez pour cette pauvre jeune fille qui certainement aime sa mère. Priez pour elle afin que le Seigneur lui ouvre les yeux enfin et qu'elle comprenne où elle est. Elle est toute autre personne qui est dans ce genre de situation. Vous comprenez? Lou Lorraine, ma sœur, je suis en train de parler d'une petite fille qui vit en Italie et qui est en train de, qui a été amenée par orgueil personnel à vendre sa maman sur les réseaux sociaux. Les parents sont tellement précieux qu'on en a un seul de chaque côté. On peut avoir 1 000 frères, 1 000 sœurs, 150 000 abonnés, tout un pays à diriger, mais on aura un seul père et une seule mère. On aura un seul père et une seule mère dans la vie. Il faut bien les ménager. Ce n'est pas pour rien que Dieu n'en donne pas beaucoup. Et si cette fille tombe sur mon live, va et protège ta mère. Parce que ces gens qui te disent aujourd'hui, ta mère me dérange, ta mère me harcèle au téléphone, c'est pas par amour qu'on te le dit. On se moque de ta mère. On insulte votre famille. On expose votre pauvreté, votre misère. Et vous n'avez jamais demandé à être exposé. Vous n'avez jamais demandé à ce que votre pauvreté soit connue du monde entier. La réaction que tu as devrait être de te taire et de te dire, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de tomber sur ta mère et de l'exposer davantage. Tu ne peux pas laisser que les gens insultent ton parent. Ne laissez jamais que quelqu'un insulte votre parent. Ne laissez jamais qu'une personne insulte votre parent. Sinon, tu vas te rendre compte, peut-être très tard, qu'on t'avait vendu et que tu es morte pour rien. Ou bien que tu es morte pour quelqu'un d'autre. Tu risques de te rendre compte très tard, Nicole, que tu es morte à la place de quelqu'un d'autre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. L'un des moyens les plus sûrs pour détruire un être humain est de faire que cet être humain se retourne contre ses géniteurs, ses parents. Ça n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si tu veux faire du mal à quelqu'un, amène-le à manquer de respect à ses parents. Mais ce qu'il y a là, c'est qu'un parent peut me protéger, hein, et faire toujours comme si non, ça va, ça va, ça va. Mais la loi ne vient pas du parent et la décision ne vient pas du parent. C'est Dieu qui a dit, honore ton père et ta mère et tu vivras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. C'est Dieu qui a dit. Par conséquent, c'est de Dieu que vient la sentence. Beaucoup de parents pleurent souvent quand ils voient la dépouille mortelle de leurs enfants devant eux. Les enfants qui les ont méprisés, insultés, mais eux, ils ne se sont jamais fâchés contre ces enfants. Ils n'ont jamais rien fait de mal à ces enfants.
Ils sont surpris. Ils sont surpris. Les parents qui ne protègent pas leurs enfants. Frères et sœurs, vous vous amusez très mal. Tout parent peut protéger son enfant dans la mesure du possible. Tu comprends? Un parent peut protéger son enfant quand il est là à la maison. Mais quand l'enfant va à la piscine dehors, alors que le parent est aux toilettes, il n'a plus moyen de protéger cet enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on parle de protection, protection de l'enfant, c'est jusqu'à un certain niveau. Par contre, l'enfant a un devoir de respect. Je ne veux pas qu'on juge les parents ici. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes des parents. C'est ces conseils que je donne, ce n'est pas seulement pour X ou Y, mais c'est même pour nos enfants. Tes enfants seront bénis de tomber sur cette vidéo dans 15 ans, dans 10 ans. Et ils sauront comment te traiter avec amour. Donc ne regardez jamais, quand un sage parle, quand un homme spirituel parle, ne regardez jamais ce que vous voyez à l'immédiat. Mais faites une projection même sur 15 ans, même sur 10 ans. Et dites-vous, j'espère que mon fils un jour pourra entendre un tel message, s'il s'avère qu'il soit amené à trouver un mauvais chemin à cause des mauvais amis. Ne faites jamais des commentaires parce que vous voyez une situation factuelle, parce que vous pensez que vos enfants sont en sécurité ou protégés, vous voyez les autres. Non. Ça, je le fais même pour mes propres enfants aussi, qui pourraient tomber dessus dans 10 ans. Dieu seul sait. OK. C'est pour ça que le nom est important. Il y a beaucoup de débats autour de Bob Lee aujourd'hui. Est-ce que Bob Lee est mort? Est-ce que Bob Lee est vivant? Les gens se font beaucoup d'argent autour de cette situation maintenant. Venez, je vais vous dire si Bob Lee est mort ou vivant. Venez. Aujourd'hui, je vais vous dire où Bob Lee est. Venez, je vais vous dire aujourd'hui, et je vous le promets, où Bob Lee se trouve. Venez parce que quand on va à gauche, on dit qu'il est mort. Quand on va à droite, on dit qu'il est vivant. D'autres disent qu'on l'a rencontré à New York. D'autres disent qu'il est en Côte d'Ivoire. Venez, je vais vous dire où il se trouve. Quand on vous donne un nom, il faut que vous compreniez la signification du nom qu'on vous donne. Maintenant, l'homme a la capacité de se donner soi-même un nom. Une fois que je grandis, je peux me faire appeler le lion. Et c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Le lion par-ci, le lion par-là. Mais il y a un nom qui m'a été donné quand je naissais sur cette terre. C'est celui qui est sur mes papiers. C'est celui qui est sur ma carte d'identité et partout. Aujourd'hui, on cherche Bob Lee. On cherche Bob Lee, la légende. Est-ce que Bob Lee est mort ou il est vivant? Je vais vous dire aujourd'hui avec exactitude où se trouve Bob Lee. Bob Lee est une légende. C'est le nom qu'il s'est donné. Quand DJ Arafat vivait sur cette terre, il avait dit qu'il s'appelle le Daïshikan. Voilà le nom qu'il s'était donné. DJ Arafat, le Daïshi. J'ai fait des recherches autour du Daïshikan. Et j'ai trouvé qu'en réalité, c'est un démon. C'est un démon qui a été pris et qui a été introduit dans les dessins animés japonais. Le Daïshikan, c'est un démon d'orgueil profond et qui attire l'attention. Le Daishikan n'aime pas quand on ne le regarde pas. Allez vous renseigner dessus. Pour ceux qui sont intéressés par les dessins animés japonais,
Le Daishikan est une personne très belle, aux cheveux blancs, très 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 puissant. Papato Buzz, je suis enseignant, je suis professeur, je suis conseiller d'orientation et je suis en vacances maintenant. C'est pour ça que tu me vois en live. Que Dieu te bénisse. Hein. Que Dieu te bénisse. Dans le Daishikan, c'est un être puissant qui aime attirer l'attention. Mais il y a quelque chose de dangereux avec le Daishikan. Quand vous regardez l'histoire, c'est qu'il absorbe l'attention et il détruit à la fin toute personne qui ne fait pas attention à lui. Il a la capacité d'absorber toute ton énergie et il s'en nourrit. Quand le Daishikan a pris ton énergie, tu disparais et il reste debout. Jusqu'à ce qu'une autre personne soit attirée par lui. Donc, la force du Daishikan, c'est-à-dire son énergie vient du fait que les gens le regardent. Alors il a plus de force pour se battre et pour subsister. Donc, le Daishikan, quand tu dis que tu t'appelles comme ça, tu vas avoir cette attitude. Et ce truc, de façon inconsciente, finit par te ronger et te détruire. Allez lire sur le Daishikan. Ce qui est impressionnant, c'est que quand le DJ Arafat est mort, il y a une autre personne qui a dit, maintenant je suis le Daishikan des pasteurs. Et je me suis assis. Et j'ai dit, mais non. Parce que l'attitude de certaines personnes commence à partir du moment où ils se donnent un certain nom. Je suis le Daishi des pasteurs. Moi j'avais ri et j'avais dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas le pasteur des Daishi? Ce serait mieux. Ainsi, quand quelqu'un prend ce nom et le met sur lui, il se met immédiatement, automatiquement, à avoir la même attitude. La même attitude. Toujours à avoir l'attention. Et c'est souvent l'attention qui les détruit. Fais attention au nom que tu te donnes. C'est la raison pour laquelle Bob Lee ne va jamais mourir. Vous allez le chercher dans l'univers. Vous allez le chercher sur le méta. Vous allez le chercher partout. Mais il ne va jamais mourir parce qu'il est une légende. C'est le nom qu'il s'est donné. Et si vous observez très bien, il est beaucoup plus populaire quand il devient une légende. Parce que la légende, c'est une histoire. La légende, c'est quelque chose qui n'est pas. C'est quelque chose de monté de toutes pièces. La légende, c'est comme une. La légende peut être utilisée dans plusieurs contextes. La légende, c'est un mystère. C'est pour ça que le premier live que j'ai fait parlant de lui, j'avais dit, Bob Lee, que dit la légende? Et j'ai dit, la légende raconte que, quand je parlais de lui, je parlais de la légende comme d'une histoire que tu racontes à des gens des milliers d'années plus tard. Vous allez être surpris que vous n'allez pas voir le corps de cet homme et qu'il va être enterré en cachette. Et que personne jamais ne saura où il est passé. C'est le nom qu'il s'était donné, la légende. Ainsi, si vous parlez de Gilles Masson ou Mason, I don't know, il est mort. Mais si vous parlez de Bob Lee n'est pas mort. Ainsi, les lives vont toujours se faire. S'il est mort ou s'il n'est pas mort, ça dépend de qui vous demandez. Si vous le demandez par le nom qu'il a choisi, qu'on lui a donné quand il naissait, son nom de famille, le gouvernement américain va vous dire, ce nom ici, Monsieur Masson, il est mort. Il n'existe plus. Il est mort. Mais si vous demandez Bob Lee, la légende, elle ne mourra jamais. Elle ne mourra jamais. Donc, la plupart des lives dans lesquels on met le doute sont les lives où on écrit le nom, la légende, le nom qui était associé à la légende. Ainsi, il va rester éternellement dans la mémoire des gens et il va demeurer un mystère. C'est comme si tout avait été écrit au départ. Donc, quand tu te fais appeler, par exemple, leader, comme la plupart de ceux qui sont ici se font appeler parce que sur ma page, ce sont les leaders.
Et je l'ai choisi exprès. Parce qu'il est nécessaire que, il est nécessaire que ceux qui suivent ce que je dis par la grâce de Dieu, un jour eux-mêmes puissent enseigner à d'autres. C'est pour ça que je vous appelle les leaders. Ça, c'est depuis très longtemps. Si tu es un leader, si tu fais partie de l'équipe des leaders, ce qui est sûr, c'est que ça va transparaître dans ta vie. Un leader n'est pas une personne qui agit quand elle voit des gens. Un leader est une personne qui initie l'activité. Un leader n'est pas un boss. Le boss dit faites. Le leader dit faisons. Pour dire faisons, il faut être soi-même en train de faire. Ainsi, quand je dis au pasteur de travailler, de chercher du travail, de s'instruire, de s'éduquer, et que vous me trouviez que je n'ai pas d'emploi, que je ne m'instruis pas, que je suis un illettré, alors je ne suis pas en train d'être un leader. Je suis un boss. Mais le leader dit, il faut travailler. Quand tu arrives, tu le trouves en train de travailler. Il faut le faire. Le leader a cette attitude selon laquelle il est même confortable à parler devant deux personnes. Je me sens plus safe. Je me sens plus en sécurité. Je me sens plus autour de la table parce qu'à l'église, il y a une table longue comme ça. Il y a une table où je m'assois ici. Et puis il y a les anciens, il y a les diacres, il y a les responsables de la musique, les gens qui font le son, responsables de l'école du dimanche. On est assis comme ça quand on a des réunions. Tu es beaucoup plus safe. Tu es beaucoup plus en sécurité quand tu es avec les gens avec qui tu travailles. Ils sont pas nombreux en général. Quand tu me prends et que tu me mets donc maintenant dans l'amphi, devant tous les étudiants, c'est différent. Parce que là maintenant, tu sais pas dans quelle direction regarder, tu es un peu moins sûr de toi-même. Un leader est quelqu'un qui est plus en sécurité quand il est entouré d'un petit groupe de personnes. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous êtes des leaders. Ne soyez pas surpris de voir qu'il n'y a pas trop de gens autour de vous. C'est très important d'avoir du temps pour penser, pour stratégiser, pour réfléchir. Le leader fait attention à ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit impacte les autres et peut revenir sur lui. Bonjour la lionne officielle. Que Dieu te bénisse et te protège au nom de Jésus-Christ. Le leader prêche par l'exemple et court pour demander pardon quand il a commis une erreur. La personne que je suis aujourd'hui et que les gens admirent, oh pasteur, vous êtes tellement différent, pasteur, vous êtes tellement attentionné, frères et sœurs, il m'est arrivé de faire du mal aux gens par mon ignorance, étant pasteur. Il y a une personne qui m'avait écrit un jour et qui m'avait dit, j'ai traversé une situation difficile. Vous étiez à côté et vous ne m'avez pas assisté. Et ça m'a fait très mal. Cette lettre m'a blessé. Ça m'avait fait très mal. Je me suis rendu compte que j'avais péché. J'étais fatigué. Peut-être j'étais fatigué ce soir-là et je ne pensais pas sortir. Mais mon attitude, ma fatigue avait blessé cette personne profondément. Et j'ai décidé de changer radicalement. Ainsi, j'appelle souvent les numéros les 237, les 225, les 241. C'est le genre de numéro de téléphone qu'on n'aime pas appeler quand on est en Europe, là. Il va me donner quoi? Tu es qui? Tu vas m'apporter quoi? Mais moi, maintenant, quand quelqu'un m'écrit un message sur WhatsApp, même si tu écris à partir de Tombouctou ou bien du fin fond du Mali, je vais te rappeler. Tu dis, allô? Allô? Je dis, c'est pasteur, pasteur, c'est vous? Allô, pasteur, c'est vous? Et ce moment-là, souvent, me fait beaucoup de joie parce que je me rends compte que je suis en train d'apporter quelque chose à cette personne. J'ai été transformé de cette façon parce que je me suis rendu compte que j'avais fait mal à une personne qui comptait beaucoup sur moi. Vous comprenez un peu? N'acceptez pas, frères et sœurs, des noms qu'on vous donne sans que vous n'en connaissiez l'origine.
L'envoûtement commence là. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux donner un nom que si tu es un parent, ou bien si tu es un époux, ou bien si tu es un leader. Il faudrait que le nom ait une signification. Quand tu es né, ton papa et ta maman disent ton nom, c'est tel. Et c'est ton nom parce qu'ils sont en autorité. Quand tu te maries et que tu sois une femme, ton mari dit ton nom désormais, c'est Madame Tel. Tu acceptes parce qu'il a une autorité. Il a une position sur ta vie. Mais vous venez sur les réseaux sociaux, on vous dit vous êtes ceci. Et vous dites oui, je suis ça. Sans comprendre la signification du nom qu'on vous donne, faites très attention, parce que c'est très facile d'envoûter. Quand une personne te donne un nom et que tu prennes ce nom, tu es sous le pouvoir de la personne. Tu vas maintenant te mettre à dire, je suis de la team ceci, je suis de la team cela. Et par procuration, tu vas recevoir tous les coups. Évitez les teams. Évitez de dire j'appartiens à tel groupe. Évitez d'appartenir au groupe dont vous ne connaissez pas la philosophie profonde. Voilà, mes enfants, ils reviennent, ils étaient sortis avec leur maman. Et ça va crier de partout là. Bientôt, je vais arrêter. Est-ce que vous comprenez? Bonjour, Général Choco. Je te salue. Voilà, ça a commencé. On va continuer ça plus tard, ok? Mais il y a des... Hey! Il y a des noms qu'on vous a donnés et qui sont assez brutaux. Je vais vous demander d'aller lire le psaume 118. Le psaume 118. Parce que dans le monde, il y a des animaux célestes. Il y a des animaux terrestres. Il y a des noms qu'il faut refuser toujours. Quand le nom qu'on te donne est connecté à un animal, ou à un oiseau, ou à un insecte, sur le plan spirituel, ça a une signification profonde et immédiate. N'oubliez pas cela. Les animaux ont une signification dans le monde spirituel. Si par exemple tu arrives quelque part et qu'on dise, ah, oh, la mouche, la mouche, et que tu es un homme qui brille beaucoup, sache que tu es une personne qui trouble les concentrations spirituelles. Quand on dit de toi que tu es une mouche, quand une personne initiée dans des sciences occultes dit de toi que tu es une mouche, il est en train de dire que, oh, wow! Il est en train de dire que tu le troubles. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a... Oui. I'm live. Okay, I'm going to in that room there. Are you live? Yes, I stop in some minutes. I told them, okay, ma famille vous salue tous. D'accord. Je vais me déplacer rapidement pour ne pas vous déranger. Dans une autre salle, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est la salle où je fais toujours mes lives. D'accord. Si on vous donne un nom, qu'on vous donne un nom d'animal, un nom d'insecte, dans les groupes, n'adhérez pas. Ouais, les enfants, c'est les vacances, non? Et frères et sœurs, si vous voulez choisir un métier et que vous ayez parmi les choix de métier, le choix de l'enseignement, choisissez toujours l'enseignement parce que quand vous travaillez dans l'enseignement, vous serez toujours en vacances avec vos enfants. C'est-à-dire, il n'y aura pas de vacances où vous ne pouvez pas voyager ou bien rester avec les enfants quand ils sont libres. Et c'est important d'être avec nos enfants, surtout ici en Europe, pendant leur temps de vacances. On peut se parler et tout. Bonjour à tous ceux qui saluent. Donc, les noms d'animaux sont des noms très dangereux dans le blog.
sont des noms qu'on peut utiliser pour l'envoûtement. Quand vous étudiez les guerres, alors que les envahisseurs venaient dans des pays, il y avait des insectes utilisés pour la guerre. Il y avait des insectes utilisés pour la guerre. Par exemple, chez les Bafia, ou bien au Bénin, ou bien chez les Bassa, dans les forêts, quand les envahisseurs venaient, on leur envoyait les abeilles. On leur envoyait les abeilles, et les abeilles tuaient vraiment. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, une personne a la capacité qui maîtrise vraiment de lancer les abeilles. Mais ce qui est là, ce qui est dangereux, c'est que toutes ne revenaient pas. La majorité mourait. Donc, il y avait des compétitions entre sorciers pour savoir qui a le plus d'abeilles. Je pouvais aller dans un village voisin à l'époque pour demander à être supply, pour demander à être fourni en abeilles. Il y a les moustiques aussi. Quand je grandissais, je vais vous raconter une histoire assez impressionnante. Au tribunal des Eka, parce que moi je suis des Eka, mon père est des Eka, ma mère est d'Obala. Au tribunal des Eka au Cameroun, il y a eu un jugement où des sorciers sont allés porter plainte. Il se pourrait qu'un sorcier avait prêté un sac de moustiques à son ami, et ces moustiques devaient aller piquer et sucer le sang des gens pendant la nuit. Mais cette nuit-là, les moustiques ont été trop tués dans le quartier. Et le monsieur à qui on avait prêté un sac de moustiques a ramené un truc à moitié plein ou à moitié vide. Alors le sorcier qui avait prêté ses moustiques et qui ne les voyait pas revenir est allé porter plainte. On a jugé au tribunal des Écarts une histoire de prêt de moustiques. Ça semble assez surréaliste, mais c'est la réalité. Jusqu'à présent, on travaille avec de telles choses dans le monde occulte. Voilà. Les moustiques se prêtent. Les moustiques agissent. Les abeilles font de même. Sauf que les abeilles, ce n'était pas pour les combats de ville. C'était pour les combats dans la brousse, dans la forêt. Et beaucoup se faisaient tuer. Donc, quand on vous donne un certain nom, vous allez avoir une réaction. Je parle par exemple des abeilles, parce que c'est un terme très dangereux. C'est une arme de guerre tellement dangereuse que on en parle même dans les livres d'histoire. On en parle dans les légendes. Et même la Bible en parle. Je vais vous montrer ça maintenant pour que vous compreniez. Parce que je cherche à être assez précis. Pour que vous compreniez ce dans quoi certains sont mis. L'insecte sera toujours détruit. Vous comprenez? L'insecte sera. Oui, les cafards, pareil. Les cafards, pareil. Les serpents, pareil. Parce que ce sont des animaux qui peuvent rapidement être totémisés. C'est-à-dire, on peut facilement les utiliser comme des totems. Il y a des animaux qu'on peut facilement utiliser comme des totems, comme par exemple les chats aussi, les chats. Il y a d'autres qu'on ne peut pas utiliser comme totems, facilement. Donc, je vais vous montrer, pour que vous compreniez la face cachée de certaines choses. Donc, mais réaliser que les moustiques sont tellement gros que tu les tues avec des battes de baseball. Hein. Quand ils te piquent. Bonjour Soleina. Je vais vous montrer quelque chose.
Regardez le psaume 118. Comme je vous ai dit, au verset 9. Je vais vous lire à partir du verset 9. Au verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Verset 10. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Verset 11. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Verset 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Psaume 118 au verset 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Regardez. Pour tout le reste, il n'y a pas la description de la destruction de l'espèce. N'est-ce pas? Je relis au verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taillais en pièces. Les nations sont taillées en pièces au nom de l'Éternel. Elles m'environnaient et m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taillais en pièces. OK? Verset 12. Elles m'environnaient comme des abeilles. Là, c'est spécifique. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taillais en pièces. Ça veut dire que les abeilles se consument elles-mêmes et se détruisent d'elles-mêmes. Et en plus, au nom de l'Éternel, on les taille en pièces. Quand par conséquent, vous observez la vie des gens qui ont pris des noms qu'on leur a attribués sur Internet, des noms qui ont une signification hautement spirituelle, des animaux ou des choses qui peuvent rapidement être détruites. N'adhérez jamais. N'adhérez jamais. Si on vous appelle les fourmis, bonjour mes fourmis, comment allez-vous? N'adhérez jamais. C'est vrai que les fourmis construisent, mais peuvent être rapidement écrasées. N'adhérez pas. Et la personne qui parle, c'est le roi des fourmis. C'est le roi des moutons. C'est le roi des abeilles. Le roi, en général, est la dernière personne à être ramassée. Parfois, on n'atteint même jamais le roi, parce qu'il y aura toujours une cargaison à envoyer. Et quand on vous envoie comme ça, là, vous vous éteignez, vous vous brûlez de vous-même, et vous êtes taillé en pièces en même temps. Faites très attention, arrêtez de faire des guerres pour les gens. Parce que pour conclure ce live, je vais repartir au départ. Ce que vous voyez la petite fille d'Italie faire, c'est qu'elle est en pleine, elle est en train de consumer, elle est en train de se brûler. Elle est en train de se brûler, de se manger elle-même. Personne ne va dire que on lui a fait ça. Non, elle se fait ça elle-même. Parce qu'on l'a poussée à le faire. Mais elle le fait au nom d'une autre personne. Mais c'est elle qui va payer. Et si elle ne se répand pas, et si elle ne change pas, elle va le payer très cher. Et ce n'est pas ça qu'on veut voir. Merci d'avoir été là ce matin pour cette petite conversation qui n'était vraiment pas une prédication. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À tous ceux qui ont insulté sur Internet, à tous ceux qui ont maudit les gens, à tous ceux qui ont manqué de respect aux familles des gens, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous pardonne, que Dieu vous lave, que Dieu vous purifie. Si tu as insulté pour quelqu'un, que les effets, que les retours ne t'atteignent pas au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Il y a des gens qui sont venus écrire souvent sous mes lives, « Pasteur, j'ai insulté les gens. Je sens ça dans ma chair. Priez pour moi. » Voici la prière là que je fais ce matin. Et je vous prie de l'envoyer où que vous vouliez. Parce qu'elle est très importante. Je parle en tant que serviteur de Dieu, le créateur du ciel et de la terre.
dans le nom puissant de Jésus-Christ, si jamais tu es allé insulter les gens parce que tu défendais une personne et que cette personne sache que le retour va tomber sur toi, que ça tombe sur la personne au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te pardonne pour ces insultes par procuration et que toute procuration soit déchirée de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que toute procuration qui faisait en sorte que tu te mettes à la place d'une personne ou que tu encaisses pour une personne, que tout cela soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Repens-toi, demande pardon à Dieu et tu vas être complètement délivré de toute emprise, complètement délivré de toute possession, complètement délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les insulteurs et les insulteuses, une fenêtre est ouverte, le ciel est ouvert sur votre tête, la grâce de Dieu vous sourit, le Seigneur vous voit. Demandez pardon sincèrement et quittez cette vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te lave et te purifie et que cela n'ait aucun effet sur toi, qu'aucun retour ne t'atteigne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu auras déclaré ces paroles sur ta vie, je répétais ceci après moi, plus tard. Je n'appartiens à personne au nom de Jésus-Christ. Je n'appartiens à personne au nom de Jésus-Christ. Ma vie est entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon aura est entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon étoile est entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon aura ne peut être exploitée par personne d'autre que moi-même. Au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est mort pour moi et il a payé le prix pour moi. Jésus-Christ m'a pardonné. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Faites ces déclarations en ce qui vous concerne. Ensuite, vous dites, le Seigneur Jésus-Christ combat pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ me délivre. Le Seigneur Jésus-Christ combat pour moi. Parce que quand tu veux sortir des emprises de l'ennemi, ils attaquent. Toujours, ils attaquent. Quand tu veux changer de vie, quand tu veux plus être cette personne qui insulte, qui est folle, parce que toi tu réagis comme si tu es fou. Tu parles fort, tu insultes, tu transpires, tu as les morves qui coulent, tu es toujours bizarre. Mais les gens pour qui tu te bats sont posés, tranquilles, comme des barons, comme des divinités. Quand tu vas chercher à quitter la servitude, ils vont envoyer des soldats après vous. Que toute personne qui vient après vous, pour vous garder dans les ténèbres et dans les chaînes et les emprises diaboliques, que le feu de Dieu tombe sur eux, au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu tombe sur eux au nom de Jésus-Christ. Parce que votre vie t'appartient. Ta vie t'appartient. Ne la mets jamais sur le compte de quelqu'un d'autre. Jamais. Ne meurs pas pour quelqu'un d'autre. Jésus, c'est pour ça qu'il est mort pour nous. Parce que nous étions supposés mourir pour nous-mêmes. Tu comprends? C'est-à-dire, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salut est venu par Jésus-Christ. Par conséquent, c'est pour ça qu'on dit que Jésus est mort pour moi. La mort que je devais subir là, il l'a prise pour moi. C'est pour ça que moi, je l'accepte comme mon sauveur. Afin que tout ce qui de mal devait m'arriver soit payé par sa mort. Si vous demandez mon sang, voici le sang de Jésus-Christ. Il est déjà mort pour moi. OK? C'est pour ça qu'il est écrit, on ne se moque pas de Dieu,
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La seule raison, la seule condition qui fait en sorte que tu payes pour toi-même, que le karma te suive, c'est le fait que tu te moques de Dieu. Quand tu ne te moques pas de Dieu, ce que tu as fait de mal ne te sera pas imputé. Parce que nous avons en Christ le pardon. Par Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Par Jésus-Christ, nous sommes pardonnés et lavés. Mais si on se moque de son sacrifice, allez-nous avec ça, dis donc. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Et frères et sœurs, observez quelque chose. On dit qui sème le vent récolte la tempête. Qui sème le vent récolte la tempête. Tu ne vas jamais récolter la même chose que tu as semé. Ce que tu vas récolter sera toujours multiplié par beaucoup. Quand tu sèmes un grain de maïs, tu récoltes un épi de maïs. Tu sèmes une injure, tu récoltes une... C'est-à-dire, c'est comme si tu as cotisé dans plusieurs tontines. Quand ces gens qui insultent beaucoup se font ramasser sur la toile, ça vient souvent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire. Ça tombe, ça vient de partout et tu te demandes pourquoi. Et les gens disent que, oh, t'es là en train de bouffer le Djangui. J'aime beaucoup cette façon de parler, ça fait souvent rire. Tel bouffe le Djangui sur Facebook. Mais, regardez quand on paye au Djangui, quand vous allez faire les cotisations, tu apportes 100 francs chaque semaine, 100 francs chaque semaine. Mais le jour où tu bouffes ta cotisation, ça peut être 1 million. Ça dépend de combien de gens sont dans cette cotisation. Tu as mis 100 francs, mais quand on te remet, c'est 1 million du coup. N'est-ce pas? C'est ça dans la vie. Tout ce que vous semez, vous allez récolter si vous vous moquez de Dieu. Pour éviter de récolter le mal qu'on a semé sur cette terre, il faut courir à Dieu et dire, Seigneur, j'ai semé le mal à tel endroit. Je te demande pardon, je n'aurais pas dû le faire. Je te demande pardon, je te prie de tuer ce mal là où je l'ai semé là, qu'il ne pousse pas, qu'il ne germe pas, qu'il ne produise pas. C'est ça la grâce de Dieu. Et le Seigneur vient et tue cette plante. Annule cette plante. Elle ne va jamais germer. Est-ce qu'on comprend? D'accord. La lionne, ça va? Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous pardonne. Parce que vous avez parfois fait du sale. Hein? Vous êtes pardonné au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés. Il l'a dit à ses serviteurs. C'est pour ça que chez les catholiques, les gens partent confesser chez le prêtre. Et le prêtre dit, tu as pardonné ma fille. Donc vous êtes pardonné au nom de Jésus-Christ. Vous êtes purifié au nom de Jésus-Christ. Dormez bien, que vos nuits qui étaient troublées, que les cauchemars qui vous ont dérangé ou le remords vous quittent au nom de Jésus-Christ. Parce que par la grâce de Dieu, vous êtes pardonné. Que Dieu touche les cœurs aussi des personnes que vous aurez offensées par vos petites insultes et les amène à vous pardonner. On voit tellement de saleté et de mort sur la toile ces derniers temps. Balacintia, ma fille, je t'aime très fort. Que Dieu te bénisse. D'accord. Ok, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Hein? On est ensemble. Qu'est-ce que je peux dire encore? Qui me conseille de prendre une personne en live? Qui me conseille de le faire? Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Qui veut monter ici? Qui veut monter ici? Qui veut monter ici? Mmh.
Lou Lorraine, tu ne dors pas, tu es aux États-Unis. Hein? Amen. Amen. Ah, il est 7 heures. Oh, born to shine. God bless you in Jesus' name. Flora, tu bavardes beaucoup, hein. Faut que je te trouve. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Flora Adiobo, que Dieu te bénisse. Rick Valérie Gache, que Dieu te bénisse. Ok, donc personne ne veut monter, c'est bien. Mais il faut que vous envoyiez les invitations. Moi, je ne sais pas comment faire pour inviter. Ok. I'm going to try to do something. Ok, il y en a qui connaissent mon numéro ici, n'est-ce pas? Vous allez l'écrire là et puis... How can I say? WhatsApp. Je mets mon numéro et je pars. Oh, Raina, ça va? Je t'appelle tout à l'heure. Oh, il y a quelqu'un qui est là. Oui, Gisèle, elle est là depuis Lomé. Ça Bonjour Gisèle, depuis Lomé, ça va? va très bien, je suis bénie. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ça va, dis-moi. Va bien, ça va très bien. J'ai suivi Yeah. le live, Oui. pas tout au début, mais j'ai pu capter qu'il ne faut pas faire les choses par procuration. Il faut éviter Oui. d'adhérer à des groupes toxiques, surtout, et pour ne pas prendre des coups qui ne nous sont pas destinés. Oui, c'est très important et c'était une bonne observation. C'est un Oui. très bon résumé. Merci. Mais Oui, c'est un très bon résumé. sur la toile, c'est que on aime des gens comme ça et sans raison, c'est-à-dire que on trouve des gens qui sont persécutés ou bien harcelés, qu'on finit par aimer et on le fait tellement mal qu'on prend, on se met à leur place en fait. On se met à leur place et puis on prend les coups. Et moi, je me retiens beaucoup d'insulter. Je peux liker les posts de cette personne sans insulter. Je ressens la douleur et quand on insulte la personne et je subis de cette façon, je ressens la douleur, mais je n'insulte pas. Je Je vais te n'insulte raconter une histoire, ma sœur. pas. Vous savez, dans toutes ces relations que qu'on développe sur la toile, parce Oui. qu'on aime une personne, il est très important de se garder, de s'engager soi-même avec son esprit. Parce que D'accord. au Cameroun, on dit, il ne faut pas mettre les organes, ne mets pas les organes. C'est ça. Mettre les organes, ça veut dire se mettre à fond, épouser la cause de la personne. Je cause avec une dame. Et j'ai prié pour une femme qui était une masseuse professionnelle. Elle avait une maison de massage et tout. Et elle m'a dit que il s'avère que quand un client entrait dans son salon de massage,
et que cette personne était vraiment en douleur, vraiment en peine, et racontait son histoire parce que dans les salons de coiffure, dans les coins de ce genre, manicure, pédicure, les gens racontent leur vie en général. Oui, Les gens racontent oui. leur vie. Alors, quand une personne racontait son histoire, par exemple, qu'elle a fait un accident, elle a perdu un enfant lors de l'accident, elle-même ne va pas bien depuis, elle dit qu'elle avait beaucoup de compassion pour ces personnes. Et quand elle les massait, avec la compassion qu'elle avait dans le cœur, une fois que la personne sort du salon de massage, elle ressentait dans son corps exactement ce que la personne avait. Et elle dit qu'elle-même devait se coucher et crier, demander l'aide de ses assistantes pour se faire masser. La personne partait bien, mais elle-même reportait, portait tout. Elle dit que ça s'est fait à plusieurs reprises qu'elle restait dans ses mains avec la maladie de la personne quand elle s'engageait. Alors elle dit qu'elle a commencé à se détacher de ses clients. Et quand quelqu'un voulait raconter son histoire, elle disait, non, je ne veux pas écouter ce que vous avez à me dire. Couchez-vous, je fais un massage et puis vous partez. Vous avez mal où exactement? Elle dit que ça semblait un peu rude ou méchant, mais depuis qu'elle a commencé à le faire, elle n'a plus jamais porté la maladie de quelqu'un d'autre. Donc, D'accord. en développant une certaine connexion spirituelle ou affective avec une personne, en mettant ses organes, on peut rapidement encaisser ce que la personne était supposée encaisser. Ok, c'est d'accord. Donc, Donc, c'est nécessaire si de je garder une comprends distance. bien, en encaissant avec la personne qui est supposée encaisser vraiment les coups ne ressent plus vraiment la chose. Non. Regarde, par exemple, Jésus-Christ, il est mort pour toi, n'est-ce pas? Oui. Jésus a donné sa vie pour toi. Oui. Et il t'a donné son nom. Oui. Non, maintenant, quand tu pries au nom de Jésus-Christ. Oui. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu pries, le Seigneur encaisse ce mal pour toi. Quand tu dis que Jésus est mort pour toi, par exemple, c'est un exemple simple, et qu'une personne vienne t'attaquer en sorcellerie, à plusieurs reprises, je vous raconte l'histoire d'un homme qui était un pasteur, il était un grand prédicateur, et il y a un de ses petits cousins qui voulait l'envoûter. Il est Oui. parti dans son village et il voulait tester, il voulait voir si le monsieur est un vrai serviteur de Dieu, s'il est un vrai pasteur et tout. Ils ont fait des pratiques et ils ont convoqué l'esprit du pasteur en regardant dans le miroir. Alors, pendant Oui. qu'il regardait dans le miroir, un visage en feu est sorti et a brisé la glace. Ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés. En général, quand ils convoquent les noms des personnes, c'est les personnes qui apparaissent dans le miroir. Les gens, les Oui. C'est-à-dire, tu appelles un nom, la personne vient et elle s'enfonce. Alors, tu peux piquer avec un couteau dans le miroir, faire ce que tu veux. Mais ce jour-là, ils ont Oui, appelé le nom de la personne, je mais c'est l'esprit de Dieu qui est venu et qui les a tous détruits. Donc, lui, il est mort à notre place. Vous comprenez? Si Bonne tu dis, connexion, par exemple, ma bug. soeur Gisèle Martine, Gisèle Martine, tu dis que non, moi je suis là pour défendre le pasteur qui s'entendait. Non, ne lui parlez même plus, c'est à moi que vous allez répondre désormais. Le coup que je devais recevoir, c'est la personne qui se met devant qui va le recevoir. Voir. Ok, Oui. d'accord. Même de Je façon comprends physique, maintenant. si quelqu'un veut te donner un coup de poing et que je sois ton garde du corps, je vais m'interposer et m'intercaler. Le coup de poing va m'atteindre avant de t'atteindre. C'est-à-dire, c'est moi que ça va prendre en premier. Et ce que les gens font sur la toile, c'est de défendre les stars. Défendre les gens qu'ils aiment, ils se mettent donc entre la personne qui insulte et leur star, et se mettent au milieu, et ils encaissent des coups que la personne derrière était supposée encaisser. Voilà, C'est compris? d'accord. Maintenant, oui, c'est compris. Maintenant, une deuxième question. Maintenant, la personne, l'insulteur, c'est quoi qui lui a réservé? Si nous, on ne doit plus répondre parce que par procuration, on risque de prendre ce que la personne qu'on insulte prend, qu'est-ce que l'insulteur, lui, qu'est-ce qui engage l'insulteur? C'est-à-dire que les gens ne veulent pas arrêter sur la toile parce que Facebook est devenu un champ de bataille virtuel, chacun s'insulte. Donc, comme l'insulteur n'a pas de châtiment, il croit que tout lui est permis, il continue. Il Oui. continue. Non, en fait, si par exemple sur Facebook, je suis responsable d'un groupe de terrorisme sur Facebook, c'est-à-dire si je suis responsable d'une armée sanglante, où j'ai des gens qui me défendent, Oui. je vais donner des mots d'ordre. Je vais donner des mots d'ordre, mais comme eux, ils sont entre les gens que j'attaque et moi, Oui. c'est eux que j'envoie devant. Comme tu Oui. vois dans les films d'action.
Comme tu vois dans. C'est-à-dire, c'est vraiment. C'est exactement ça dans l'esprit. Tu envoies toujours les petits militaires, ensuite les plus gradés, ensuite tes lieutenants, et quand ils sont tous détruits, alors on t'atteint. On Donc, la t'attend, oui. personne peut avoir une longue vie et beaucoup de succès, as long as. Tant qu'il y a des gens pour faire ces guerres. OK, Mais. Et d'accord. ces gens qui font ces guerres reçoivent les coups qu'elle était supposée recevoir. Même sur le Oui. plan spirituel, une personne Okay. peut se blinder chez les gens qui font ces choses-là afin que tout ce qui lui était destiné atteigne les gens qui l'aiment ou la défendent. Ça peut se faire. OK. Voilà, maintenant, c'est quoi qui incombe celui qui insulte? C'est-à-dire que la star, peut-être, elle n'insulte pas. Maintenant, l'insulteur, il y a des gens, par exemple, qui attaquent une star que moi j'aime. La personne qui attaque là, c'est quoi qui lui a réservé? C'est quoi? Ce qui est réservé à cette personne, c'est ce qui est réservé à toute personne qui insulte. C'est pas toi, Voilà. qui va venir être celle qui va faire la La rétribution. C'est pas toi qui va venir venger. rétribution. Oui, Toute oui. personne qui insulte s'expose aux sentences prévues pour ceux qui insultent. D'accord. OK. Voilà. Tu peux insulter une personne qui est une personne qui prie beaucoup, et sans même qu'elle ne prie, ça revient sur toi. Tu peux insulter un marabout. J'ai vu un blogueur ivoirien, je crois, demander pardon à tout le peuple béninois. Parce qu'il a insulté, il a insulté le peuple béninois, comme ça, sur Internet. Et on a pris sa photo. On est allé planter les graines d'animaux, les plumes d'oiseaux et tout. On a fait tellement d'enchantements qu'il est sorti sur la toile. Il a demandé pardon. Parce qu'il insultait. Donc, ce qui est prévu pour une personne qui fait de telles choses, ça va lui arriver. Exactement. On n'a pas besoin d'intervenir pour les gens. Pour les gens, d'accord. Merci beaucoup. Merci, De rien. pasteur. De rien, Parce ma que c'est soeur plus Gisèle. clair. Parce que quand j'ai suivi deux ou trois fois, et vous avez fait des vidéos sur ça, donc j'ai commencé par moins mettre les organes quand même. Oui. Et quand je vois qu'on insulte la personne, je quitte plutôt la page qui insulte parce que ça, on était tenté de regarder là où on insultait la star. Parce que ça fait mal, tu veux écouter jusqu'au bout pour voir c'est quoi la chose même. Mais après, quand tu es seul, tu as mal dans ton cœur. Mais quand j'ai écouté deux fois, vous avez fait des vidéos par rapport à tout ça, et j'ai commencé par arrêter même de suivre ces vidéos-là des insulteurs. Parce que quand tu écoutes, forcément, tu auras mal. Je vais te dire Donc, quelque c'est. chose, hein. Les gens qui sont assis à côté des fumeurs de cigarettes ont Oui. plus de maladies que ceux qui fument. Que ce qui fume. Parce que c'est ce que le fumeur rejette de sa bouche, ce que son organisme rejette, parce qu'il ne peut pas encaisser. C'est ça que tu prends dans ton corps. Donc le fumeur ne prend que ce qu'il peut supporter. Et ce qu'il rejette, c'est-à-dire ce qui est nocif, c'est ça que toi tu aspires. Aller sur un direct où les gens insultent, par conséquent, est parfois plus dangereux même que celui que d'insulter. Parce que tu vas dans un direct, quelqu'un insulte, tu envoies des cœurs, tu envoies des rires, tu envoies des likes. Tu es en train d'aspirer de façon inconsciente. Tu es en train d'aspirer tout le mal qui est en train d'être envoyé. Et parfois, D'accord. ce que tu fais est pire que ce que l'autre fait. C'est D'accord. la raison pour laquelle, quand, par exemple, quelqu'un vient écrire une insulte, ça ne se fait vraiment jamais sur mon mur parce que j'avais donné des paroles en ce qui concerne l'insulte sur mon mur. Quand quelqu'un vient envoyer un mauvais commentaire sur mon mur et qu'une personne vienne liker en bas, j'ai souvent tendance à bloquer la personne qui a liké. Like Oui. Parce it, que, oui. C'est plus donc, dangereux. oui, parce que cette personne qui like est comme la personne qui envoie des énergies négatives afin que celui qui parle parle. Parle. Il est plus dangereux. Voilà, donc si je comprends bien, les gens qui vont écouter et les clashs, par exemple, c'est eux qui nourrissent ces clashs. S'il n'y a Oui, personne c'est eux qui pour écouter nourrissent. les clashs, voilà, s'il n'y a personne pour écouter, par exemple, quelqu'un qui fait une vidéo et qui insulte une autre personne, c'est que la personne arrêtera un jour. S'il n'a Oui, plus de attends. vues, il va arrêter. Oui, en général, les gens qui regardent, par exemple, il y a des gens qu'on connaît sur la toile, des grands insulteurs.
Le jour où ils viennent vous parler des fleurs et des papillons, personne n'est là pour regarder leur live. Exactement. Et J'ai un ils peu sont marqué. sans force, ils sont là que, mais attends. Après, du coup, ils prennent dans un sujet qui attire les gens, la foule. Ils prononcent un nom, ils insultent la personne, les gens viennent. Parce que la force leur vient du fait qu'il y a des gens qui sont là. Par conséquent, c'est les gens qui assistent qui sont la force de ceux qui parlent. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. La joie est ma force. C'est-à-dire, c'est quand je suis heureux en Christ que je suis fort. Quand la tristesse m'envahit, je ne peux pas être fort. Quand la tristesse est là, je n'ai plus la force que j'ai d'habitude, parce que ce qui fait ma force n'est pas là. Et si tu veux détruire quelqu'un, atteins sa force. Pour détruire Samson, ils ont fait des recherches. D'où Pour voir vient ta force? D'où vient ta force? D'où vient ta force? Et quand on a découvert que c'est les cheveux, quand on a rasé les cheveux de Samson, il ne veut même plus donner un coup de poing à quelqu'un et que la personne tombe. Et donc, si tu veux détruire la force de l'insulte ou de l'insulteur de la toile, retire-t'en. Si tu veux le garder fort, assiste et mets des cœurs. Tu es la force de ce truc. Et tu vas aussi payer pour ça. D'accord. Merci beaucoup. Et pour des choses qu'on n'a pas dites, c'est-à-dire qu'on en a voulu à des gens dans notre cœur, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit ça ouvertement, mais dans notre cœur, là, on a désiré le malheur de ces personnes. Vraiment, moi, c'est ça, c'est mon cas. C'est-à-dire dans mon cœur, là, je n'ai pas voulu, je n'ai pas écrit, mais j'ai désiré qu'il arrive malheur à la personne qui insulte. Ouais, c'est juste, c'est un sentiment humain normal. Nous sommes des humains, tu sais. Nous sommes des humains et nous pouvons avoir mal, nous pouvons nous énerver. Quand tu sais que la pensée que tu as eue envers une personne est une mauvaise pensée, ben tu demandes pardon. Tu demandes pardon à Dieu et tu passes dessus. Je suis, comme vous le savez, vous connaissez la blogueuse ivoirienne Emmanuelle Keïta. Voilà. Je suis le père spirituel Emmanuelle Keïta. Et je l'accompagne dans la foi, dans la prière, et je l'ai fait déjà depuis près de 2 ans. J'ai encouragé Emmanuel souvent à ne pas répondre aux insultes et à rester tranquille. Je l'ai toujours fait, toujours. Vous allez voir que quand une personne développe cette attitude, ça décourage ceux qui insultent. Tu tombes dans le trou, tu tombes dans le trou une fois que tu réagis à l'insulte, à l'instant. Bon, s'il s'agit d'une malédiction, tu la contrecarres. Je vous conseille de la contrecarrer immédiatement au nom de Jésus-Christ. Mais si c'est une insulte, ton gros nez, gros yeux, ceci, cela, cela, tu peux ignorer ça. On passe. Tu peux vraiment ignorer. Voilà. Maintenant, je vais prendre tout ça là, cadré dans ce qui me concerne au boulot. Je suis dans dans une société où il y a beaucoup d'injustice. C'est-à-dire que tu es là dans une société où tu es en CDI pendant longtemps et on te met des contractuels, c'est-à-dire on te met en concurrence avec des contractuels. C'est énervant sur le coup, je ne dis rien, j'encaisse, mais après, chez moi à la maison, ça me fait mal. Ça m'énerve. Et je vais jusqu'à souhaiter dans mon cœur de la méchanceté à ces personnes. Parce qu'ils m'ont fait du mal. Je le prends comme ça, comme s'ils m'avaient fait, ils m'avaient fait du mal. Donc je souhaite qu'il arrive malheur, même à la hiérarchie et tout, quoi. Donc après, je me ressaisis, j'ai dit non, c'est pas normal. Mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, tant que ça ne diminue rien, juste que mon expérience, mon salaire et tout, ça va quoi. Mais madame, Donc, comme je vous ai dit, c'est humain. On ne va pas faire semblant. Nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu et tout, mais c'est humain de s'énerver. de Je vais te s'énerver. demander quelque chose. Je vais te demander quelque chose. Pour que tu saches que parfois, s'énerver n'est pas un péché. Hein. Tu savais ça? Pas tout à fait. Ok. Pas tout à fait. Dans le livre de Éphésiens 4, verset 26, Ephésiens 4. on peut monter. Je te prends juste après Lou Lorraine.
Éphésiens 4, verset 26, il est écrit, écrivez, hein, Éphésiens 4, 26, si vous vous mettez en colère, virgule, ne péchez point. Oui. Éphésiens 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire qu'on a le droit de se mettre en colère. On a D'accord. le droit de se mettre en colère. Cependant, Oui. quand tu te mets en colère, ne pêche point. Donc, c'est l'action que tu vas prendre parce que tu es fâché qui peut faire que ta colère soit transformée en péché. Et je D'accord. me suis fâché au point où j'ai insulté cette personne. Quand vous vous fâchez, ne péchez point. Donc, il est normal de se sentir frustré, de s'énerver, de frapper sur la table, de claquer la porte. C'est normal. Mais D'accord. si après tu réussis à te maîtriser, c'est-à-dire tu ne pèches pas, tu ne calomnies pas, tu n'insultes pas, tu ne frappes pas quelqu'un, alors tu auras bien géré ton humanité. Parce qu'il y a des D'accord. chrétiens qui ont même peur de se fâcher. Seigneur, pardonne-moi pour la colère, je suis fâché. Non, c'est normal. Il faut s'exprimer de toutes ces façons. Nous ne sommes que des humains. Et quand D'accord. tu es traité de façon injuste et que tu sois fâché, tu peux crier, pleurer, c'est normal, c'est pas un péché. Mais ne pêche pas dans cette D'accord. colère. Merci D'accord. beaucoup. Donc, ma sœur, je vais Merci. donc. Il y a ma sœur, il y a Lou Lorraine, une autre sœur qui cherche à monter là. D'accord. Je vais Merci. chercher à. Bonne journée. Donc, je coupe à mon niveau, c'est ça? Oui, merci, s'il vous D'accord. plaît. Oui. Merci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Amen. Amen. Merci. D'accord. Mais Lou Lorraine, tu es où? Tu peux m'envoyer une invitation? C'est vrai, Caroline, c'est très difficile de s'énerver sans de se mettre en colère sans péché. C'est très difficile. C'est pour ça que moi, quand je me mets en colère, j'ai un sac de boxe. J'ai un sac, ou bien je vais à la gym, ou bien je prends mon vélo. Parce qu'il faut bien que je réagisse d'une certaine façon. Oui. D'accord. Merci, Brice Nanar. Allô? Allô, Lorraine. Bonjour mon pasteur chéri. Bonjour, Mon Lorraine. frère, Que Dieu te comment tu vas? bénisse. Que Dieu te Très bien, bénisse merci. également. Vraiment, j'ai pris le direct en cours et j'étais très contente que tu abordes ce sujet. Parce que Oui. c'est un problème que j'avais aussi. Les réseaux sociaux nous poussent à être vraiment des personnes pas comme nous sommes souvent. Ça nous donne un certain culot des fois quand on est sur les réseaux sociaux. Et récemment, j'ai appris une leçon. J'ai déjà appris que l'insulte est culturelle. Nous avons cette culture en Afrique d'insulter. Parce que ici, où je vis, dans mon état, les gens n'insultent pas. C'est-à-dire que c'est rare. Je peux dire, j'ai pas vu quelqu'un insulter quelqu'un. Et sur les réseaux sociaux, ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, la vie avant d'être physique, elle est spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut porter des esprits sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de chrétiens blaguent avec. Moi, aujourd'hui, quand je rentre dans un direct, je vois ou j'écoute des choses abominables, je quitte. Et c'est ma fille qui m'a souvent dit, maman, attention, tu ne sais pas quel esprit tu peux prendre en écoutant ça. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens ne font pas attention à ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils introduisent dans leur esprit. Ça les fait rigoler, mais ils pensent que vraiment c'est normal. Mais c'est extrêmement dangereux et on s'expose à beaucoup de choses Tu sais que aux yeux. tu es une journaliste de Oui. formation. Tu as travaillé à la télé pendant longtemps au Cameroun et donc tu peux développer sur des heures si Oui, on ne te coupe pas la parole. je Donc, sais. est-ce que Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je vais finir en disant, parce qu'on est revenu sur la colère et l'insulte. Hein. Moi, je vais faire un témoignage. J'ai une amie. Une fille que j'aimais beaucoup parce que j'ai grandi avec elle. Elle avait un caractère très sale. Mais je la supportais parce que j'ai la grâce d'aimer les gens d'une façon spéciale. C'est-à-dire, j'étais consciente de ce qu'elle était. Tout le monde la repoussait, mais je l'aimais vraiment.
Et cette fille, j'ai été tellement proche d'elle que, mais les gens, que ce soit les gens de sa famille, me disaient toujours, cette fille n'est pas ton amie. Et moi, je l'aimais parce que je trouvais que c'était une fille très intelligente, qui avait un potentiel et qui avait besoin qu'on l'aide. C'est une fille que j'avais même d'ailleurs amenée au Seigneur. Mais vous savez, on a des histoires de famille, on a des démons familiaux, on a des problèmes. Et j'étais consciente de tous ces problèmes qu'elle avait et je prenais quand même la peine d'être proche d'elle. Et un jour, parce que j'étais vraiment étonnée, je me disais, mais même si on est démoniaque, comment, on ne peut pas faire du mal même à ceux-là qui sont là pour nous. Cette fille m'avait fait un truc terrible. C'est-à-dire, j'avais mis ma chrétienté de côté et je l'avais insultée. En fait, je l'avais prévenue parce qu'elle avait fait quelque chose de très grave. Je suis allée, je lui ai écrit et j'attendais qu'elle rechigne. Alors, elle m'a insultée. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris, c'est-à-dire parce que je la connaissais, je partageais son intimité. Je lui ai dit des choses qui étaient vraies, mais les plus blessantes qu'on ne peut imaginer. J'avais été, c'est-à-dire, en fait, j'avais pensé à un ami qui m'avait dit un jour, tu sais, si tu veux faire du mal, ou si tu veux frapper sur quelqu'un, assure-toi que tu l'as frappé, elle ne va plus se relever. J'étais tellement en colère que, et j'ai dit des choses abominables à cette fille. Et je savais que c'était Merci d'envoyer des sanglant. cœurs à frères, chers amis, chers frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se Surtout passe garder le live vivant. pendant que je faisais ça? J'étais sûre que je faisais bien. J'étais sûre que j'étais dans mon plein droit. J'étais sûre qu'elle m'a fait quelque chose de grave. Et il y avait des gens qui m'encourageaient, qui me disaient, oui, non, elle a exagéré, il fallait la mettre à sa place. Mais j'avais dit des choses qu'il ne faut pas dire à un être humain, même si c'est ton pire ennemi. Alors le temps est passé. Je me consolais que oui, voilà, elle a fait ça. Mais je ne vous dis pas, il y a près Va, ça va, tu as partagé le live. plus tard, peut-être après, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être 5 mois, je me suis retrouvée seule. J'ai pleuré d'avoir fait ça. Quand j'ai retrouvé mon identité de chrétienne, c'est-à-dire, j'ai regretté toute ma vie d'avoir fait ça. Des choses que j'ai dites, je me suis demandé, mais pourquoi moi, je dis ce genre de choses? Et cette fille, on ne pourra, elle ne pourra, parce qu'elle a un orgueil, elle ne pourra pas me pardonner. Mais j'ai tout fait quand même pour laisser un message à un membre de sa famille, pour lui dire que je regrette. Peut-être je ne souhaite pas qu'on redevienne amis comme avant, mais je regrette. C'est pour dire que la colère peut pousser les gens à faire des choses qu'elles vont regretter plus tard. À l'instant, elles pensent qu'elles sont dans leur droit parce qu'on vous a frappé, mais la colère, c'est quelque chose. Et dans les réseaux sociaux, on réagit beaucoup par émotion, par Oui. colère. Donc, la solution, c'est de prendre des Par orgueil distances aussi. et par L'orgueil, c'est. orgueil. Donc, la solution, c'est de prendre des distances. Vous entrez dans un live, il y a des insultes, sortez, fuyez, sortez de là, ne rentrez plus. Parce que ce que vous prenez là, après, parce que les gens ne connaissent pas que la somme de ce que nous écoutons, nous intégrons, ça reste quelque part en nous. Et après, ça nous cause forcément des dégâts. Voilà, donc je ne vais pas rester longtemps, comme tu as dit, Pasto. Je vais partir. Mais c'était un peu mon petit témoignage. Je te remercie D'accord. vraiment Mais de d'aborder rien. ce genre de sujet. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse, Lou Toi Lorraine. aussi, merci. Bye Merci. bye. Bye. Comment on fait pour sortir ici? Frère Dieu m'aide. Ah, ok, c'est bon. La vieillesse. D'accord. Ben, je vous remercie d'avoir été là. Pour tous qui êtes là. Comme je vous l'ai dit, c'est les vacances et les enfants, ils ont des bobos. Ils courent, ils montent, ils se font mal. Et donc, je dois aller aider. N'est-ce pas? Je vais le faire. Donc, que Dieu vous bénisse et je vous encourage, frères et sœurs, et vous tous qui m'avez suivi, même si vous n'êtes pas des frères ou des sœurs, je vous encourage à éviter juger ma petite sœur qui est là-bas du côté de l'Italie, hein. Priez pour elle, couvrez-la de bénédiction, priez pour sa maman, couvrez-la de bénédiction. OK? N'allez pas, ne suivez pas le vent, ne faites pas ce que l'esprit qui souffle amène les autres à faire. Ne le faites pas. Ne participez pas à la destruction d'une personne. Ne participez pas. Donc,
Laissez, retirez-vous, retirez vos pieds et vos mains et laissez les gens eux-mêmes s'exposer. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. OK? D'accord. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie. À bientôt.